Bonjour à tous et à toutes, ici Hussein Vrai. Aujourd'hui, un jour, encore un autre jour spécial, parce que le GameStop, moi au Québec, c'est un GameStop, ont sorti des exclus, puis ils ont sorti leur autre boîte Ultra Premium Collection, comme genre après Arceus, Aquifer, ils ont sorti un Arceus V-Stars. Fait que c'est quelque chose que j'ai acheté, que je suis quand même curieux à découvrir. Avec ce qu'il y a dedans et tout, puis il y a quand même 15 boosters là-dedans. La boîte est un peu moins majestueuse que la celle de Dracofeu, mais ça, à date, elle m'attirait beaucoup à vue d'œil. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ce qui se cache dedans avec vous. Fait que si on ouvre la boîte de même, déjà là, le par-dessus de carton, ça rend déjà très bien. Là. Genre, toute l'image ici, tout. Mais la boîte en dessous est magnifique, là. Comme genre des effets de lumière et compagnie. La date, c'est un très beau produit. Comme ça. Oh boy. Les cartes d'Arceus sont en métal, carrément. Comme ils ont fait avec le. Voyons. Avec la boîte de célébration, avec le. Puis. Pour vrai, c'est des beaux articles. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de protection pour les cartes. Mais bon. Des très belles cartes. D'habitude, la V n'a pas d'effet de lumière. Je ne sais pas si je peux vous le voyez là. Mais d'habitude, il n'y a pas d'effet au toucher. Mais c'est bizarre. Ils sont pas aussi quali que, mettons, la carte Gold de célébration. Mais pour vrai, ça reste quand même un bel item pour lancer sur ses amis. C'est pas vrai, faites pas ça. Bon, ça c'est quoi qui se cache là-dedans? Je suis capable d'ouvrir. C'est les tokens. Fait que. Un token de Arceus en métal. Des dés en métal. Le jeton acrylique. Après, on a des boosters. On va checker les 7 après. Mais il y avait autre chose aussi. Sur la boîte, il marquait qu'il y avait un playmat. Puis, il y a encore un playmat. Je vais pas manquer de playmat. Pour faire un plancher pour mon. Je vais pouvoir faire un tapis sur mon plancher. Pas vrai. Fait que je vais changer le tapis, puis on continue. Fait que voici le beau playmat. Il est déjà un peu moins fripé que celui de Dracofeu. Mais c'est l'image de l'annonce. Il sort très bien. Je préfère celui de Dracofeu, mais c'est un très beau playmat aussi. Fait que dans les 7 de A Star, il y a un Disadvantage, deux Rain Stars, deux Astral Radiance, deux Lost Origin, non, trois Lost, plein de Lost Origin, du Astral Radiance, ça aussi, du Rain Stars, puis deux Evolving Skies, fait qu'il n'y aura pas de Darkness Ablaze. Fait qu'on va commencer avec ce premier booster ici. Novedvantage. Découvrons ce qui se cache à l'intérieur. S'il y a un Pikachu grassouillet dedans. Le code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type électrique. Plante. Galvantula. Fogoat. Letang. Aokuda. Nikeda. Nekadam, en tout cas, Pikpiki, Pochiana, il y a un latent, c'est ça? Rockruff, Lugia Reverse, un avant-goût du prochain set, pour finir avec. Une belle holo de Regirock, un beau hit. Continuer avec le Evolving Skies, pogner un beau Eevee. Rien en pogner. Ces temps-ci, je pogne rien dedans. Le code? 1, 2, 3, 4. Mode d'énergie de type. Va pour ténèbres. Ouh! Bon, ça commence mal. Il y a une petite coche là, mais c'est pas grave. Swoobat. Lombre. Lucky Ice Pop. Petit Lille. Pikachu. Pokkabou. Reflète. Le Tad. Une tarte aux pommes plus grosse, puis on finit avec. C'est un Eevee. On a réussi à pogner Eevee, c'est Glaceon, une belle V, je l'aime.
On passe au prochain. On va espérer en cogner un autre. Ça serait cool de pogner d'autres. Mais bon, si j'en demande trop, je ne l'aurai pas. Fait qu'on va se retenir de demander le code. 2, 3, 4. On va dire une énergie de type Psy. À ça, c'est le gazon qui va sortir en WhatsApp. Rescue Courier. Scrafty. Ursarine. Slacotte. Gossifleur. Love Disc. Fletchling. Chinchidou. Tievel Reverse, puis on finit avec. Juste un Charpedo. Continue avec l'Astral Alliance, il y en a 4. À date, pour la boîte d'Arceus, c'est beaucoup plus rentable, je trouve. Parce qu'avec 15 boosters, le prix qu'ils la vendent, puis tout, ça, 15 boosters pour une centaine de piastres, c'est cool. Je sais pas si ça fait combien avec la conversion euro, mais bon. On va dire une énergie de type, je sais pas, électrique. Maudit gazon. Team Yell Cheers. Cleansing Gloves. Freshwater Set. Grimer. Clefairy. Bidouf. Ectabuzz. Alucha. Axorus Reverse. Puis on finit avec. Hydran Mempolo. Triste. On continue avec le booster de Dracofeu. Ce serait cool d'avoir un autre Dracofeu. On peut pouvoir le rajouter avec les autres de la dernière vidéo. Le code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type. Va pour. Oh, je l'ai pas dit longtemps, puis il sort pas. Fracture. Cintino. Starmie. Riolu. Starly. Milcery. Carablast. Clefairy. Un Fracture Reverse, puis on finit avec. Un petit Léopard non lourd. Continue. J'espérais pogner un hit dans sa radio, ça doit être un hit dans chaque set. Ce serait au moins un beau petit ratio. Puis on va dire 1, 2, 3, 4. Une énergie de type feu. Là, c'est l'électrique qui sort tout le temps, maudit. Gabit. Collapsed Stadium. Flodeur. Golette. Chimeko. Chimchar. Mincino. Baltoy. Dusknoir Reverse. Puis on finit avec. Stunolo, avec un beau Infernape, ouais. Le dernier de Astral Radiance, pas Astral Radiance, je me trompe tout le temps entre les deux sets, Brian Stars. On va espérer finir sur une belle note sur le set. Code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type, on va dire la plante. Bon, il y a eu. Primplot. Timia Cheer. Ultra Ball. Baltoy. Snorunt, No Space, Milcery, Copchou, Magmortha Reverse, puis on finit avec Grimmsnarl non holo. Ben, triste ça. On saute dans l'Astral Radiance. Encore pas poigné d'alternative. Ben, pas d'alternative, mais. Ben, ça serait cool, une alternative, mais. Passons à l'envers, là. Le code. Mais une TG. On n'a pas poigné encore des TG dans le de Grand Source. Ça commence à être triste. On va dire une énergie de type ténèbres. Nuit sur l'eau. Là, il y a de l'eau. Carrière. Swissou. Bizarre. Les cartes sont pliées. Ghosty Peacake. Nikit. Ralts. Combi. Sudowoodoo. Dry Floon. Un Radiant Alucha. Un beau carton. C'est un beau Radiant. Puis on finit avec. Un mini God Pack avec Irida Holo. Un beau booster. Continue. Là, c'est le Clamiral. Qu'est-ce qui va se cacher dans le booster? Tu meilleur hit. Là, je ne me ferai pas avoir encore le code. 1, 2, 3. Puis, il n'y aura pas d'énergie. Fac. Jubilefly Village. Noctowl. Kamado. Ichuan Basculine. Ichuan Voltorb. Mantine. Tadurza. Heracross. Bon, une TG avec le beau Wear Deer ou John Deer, comme la marque de tracteur. Un beau hit, puis on finit avec Rigiliki. Mais pour vrai, un très beau carton. Continue avec le My Little Ponyta. Non, je me suis planté, c'est pas le cas. Je me souhaite avoir, j'oublie tout le temps le code.
1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type. Va pour Psy. Oh, coup de poing d'en face. On ramène à la réalité. Troy. Bisharp. Spiced. Season. En tout cas, un curry. Oshawott. Rollet. Bronzor. Chatot. Ponita. Yann Mega. Et on finit avec. Henry Jice. Nirigi, ils sont même pas au lot. Continue. Là, c'est le Gundam Dialga. Dialga du futur avec un canon dans le cou. Mais qui est dans le passé dans le jeu. Mais bon. Fait que là, je me ferai pas voir le code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type. Tout le temps compliqué. Métal. Là, il sort de l'eau. Maudit, hein. Wait and see Turbo. Kiria. Roxanne. Bergmite. Stantler. Petit Lil. Psyduck. Cricknot, Cricktot. Ouh! Oh boy, il est bien beau de même. Le Ice Rider Calyrex V. Très beau carton. On finit avec. Un petit vœu, là. Il a volé la V après, mais il a pas volé le Calyrex. Et heureusement. Très beau. On saute dans le dernier set. Lost Origin. On va finir sur une belle note avec plein de belles cartes. En se croisant les doigts. Le code. 1, 2, 3, 4. On dit énergie de type. Va pour feu. Électrique. Lost Vacuum. Silcoon. Une Lady. Flipbug. Finioun. Spinarak. Paras. Inke. Bronzor. Puis on finit avec. Bouffalin. Ouais, pas l'eau ça. On continue avec le beau Giratina. Série poignée d'autres bouts. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Le code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type. Va pour acier. Le retour de la plante. Reliquent. Lost Vacuum. Silcoon. Hypom. Spinarak. Netwick. Roselia. Rockruff. Cascoon Reverse, pour finir avec. Cramorant. Mais voyons, ils sont plus au loup. Continue avec le Zoroark. Très beau Pokémon. C'est cool de l'avoir en alternative. Mais il me semble qu'il l'a pas en alternative. Le code. 1, 2, 3, 4. On va dire l'énergie de type. Va pour feu. C'est psy. Ariyama. Hunter. Poliwhirl, Gligar, Goomy, Mawile, Slugma, Clefairy, Hunter, puis on finit avec Stunolo. C'est un petit hit, mais il est beau le Vilplume. Très beau. Dernier booster, on finit avec le dernier génie, ou la dernière génie. Même si on n'a pas de sexe, on ne sait pas quoi dire. Le code. 1, 2, 3, 4. On va dire énergie de type. On va pour électrique. Oh, coup de poing d'en face. Dernier booster, j'espère en sortir avec du bruit. Nicky Licky. Reliquent. Lost Vacuum. Roselia. Porygon. Inke. Blipbug. Finioun. Blipbug encore, puis on finit avec. Il a mangé ma dernière bonne carte, lui, Dent. Oh. Là, tout nos bouettes. On a quand même eu, comme genre, 4 holos. 4 holos, ouais. Le boucle ancien de vie. Une Regent. Avec le bois, le chat. La TG de Ryder. Alias John Deere. Très beau carton. Mais celui qui m'a le plus surpris, qui est vraiment très, très beau. Moi, pour vrai, le contour noir avec le fond un peu plus noirci et tout, ça ressort très bien. Pour vrai, c'est un très beau carton. Fait que c'est ce qui va conclure la vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche et laisser un commentaire. Et on se voit la semaine prochaine.